Salut les potos, bienvenue à tous. Un nouvel épisode et je pense qu'il va faire plaisir à tout le monde. Désolé, je suis encore à moitié endormi, il est même pas 7h. Et là, on part au Bugey pour tester le B26 pour la première fois sur piste. Ça va être génial. Et du coup, bah, on a hâte d'y être. Je suis passé hier au Bugey et ça a l'air fou déjà, il y a plein de voitures et tout. Donc là, on rejoint Guillaume et on se retrouve au circuit, les potos, à toutes. Bonjour, ça va. Regardez cet homme prévoyant qui a pris une petite pompe de DA en rab. On ne sait jamais. Est-ce qu'on est prêt pour partir faire un petit peu de dérive contrôlée? Oui. Très bien, Guillaume. En route, dans ce cas. Allez, je te suis. Bah non, enfin, comme tu veux. Parce que c'est un peu la merde, moi, de mettre le GPS. Très bien. Ça y est, nous sommes en place avec la Switch Rider Team. Ah, il y a tout le monde, ça va être le feu. Les moteurs chauffent, le briefing est terminé. Et là, ça y est, c'est là. Tout le reste n'était qu'attente et la vie commence enfin. Guillaume, on est prêt? On veut un petit casque? Oui. Oui. Ils sont là encore. Nous sommes les premiers sur la start line, messieurs, dames. C'est un moment historique pour ce B26. J'ai rencontré un abonné tout à l'heure en allant. C'est le blond là qui t'a souri là. Qu'une rondelle, qu'une rangée, je pense. Regardez ce joli circuit. Il est là qu'on n'a pas de plaque. Ce forcené. En place. Guillaume, comment on se sent? Un peu stressé. C'est vrai? On va voir, c'est la reprise. C'est vrai. On n'a qu'un train de pneus pour la journée. Aussi. T'as laissé, t'as laissé l'autocollant, c'est cool. Bien ce tour là, j'ai cru que ça allait spinner un moment. Hein. La transition, ça avait l'air difficile à rattraper, mais franchement, bien joué. Quelque chose dont je vous ai pas parlé, vous avez pu voir dans le début de la vidéo un petit montage de pneus. On remercie beaucoup Zecnova qui nous ont bien arrangé sur les pneus. Donc on va les tester aujourd'hui. Bon, là on les a à l'avant hein, pour Guillaume, c'est pour tester le grip. Mais moi je les testerai en drift aussi dans une prochaine vidéo. Hein. La start line va bientôt démarrer. Donc voilà, c'était pour dire gros merci à Zecnova. Je vous montre un petit peu les pneus qu'on a. C'est des super sports qui sont faits exprès pour le drift. Ils ont l'air fous. Très facile à monter, bonne structure, bien rigide. Et on va tester tout de suite, voir ce que ça dit. Donc encore merci à eux, merci à Zecnova. Et on espère qu'on pourra remettre vos pneus prochainement sur nos voitures.
Et gros big up surtout à la meilleure organisation de Suisse et de France. Non mais grâce à ces gens-là, Drift and Fun, vous êtes sûr que vous allez passer une journée mais de folie. N'est-ce pas Guillaume? Ça fait bah, toutes les sorties Drift qu'on a fait, c'était avec eux. Et si on peut faire qu'avec eux, ce sera le top parce que c'est franchement énorme. Ils sont trop gentils, ils font tout pour vous. Ils trouvent des solutions, ils arrosent la piste pendant qu'on roule pour économiser du temps de roulage. Ils font tout au top. Donc vraiment, gros big up à eux. Merci encore. Oh. Qu'est-ce qu'on a, Guillaume? Bah, français, Marc. Guillaume a affaire à une nouvelle direction, un nouvel angle de braquage, un nouveau moteur qui pour l'instant va bien. Hein, ça souffle fort. Non, ça spin à tout va. Lui. Ah, ça spin à tout va. On est un peu chaud en huile. Mais c'est fou. C'est trop bien. Bon les copains, ça se précise, on va tester le B26 de Guillaume. J'ai fait un petit tour ce matin, ça a l'air fou. Et surtout avec les cales là, l'angle de braquage est dingue. Et c'est grave permissif du coup. Bon, là on va essayer de faire un petit tour tranquille. C'est le deuxième de la journée. Hein. Et on va mettre une vue intérieure. Je sais pas ce que ça va donner non plus. Mais on va essayer de faire au mieux. La GoPro est là. À toutes.
Petit retour à chaud, c'est un truc de malade, franchement c'est fou, j'ai du mal avec la direction qui est un petit peu compliquée et aussi il y a un endroit où je voulais repasser la 2 et ça j'ai pas réussi donc ça m'a fait gripper malheureusement, j'aurais peut-être dû la repasser avant mais là on va réessayer tout de suite du coup parce que c'est fou, c'est dingue, ça m'avait manqué.
Si je peux te donner mon avis, c'était bien. Ouais, bah là j'ai pas fait le 5 mois. En fait, c'est au niveau de ta courbe, t'es pas bon. Non, c'est un peu plus bon. J'arrive là, pas de temps. La team, on l'a fait, ça y est. Guillaume, est-ce qu'on serait pas rentré sain et sauf? Petit débrief sur cette journée, est-ce que c'était fou? C'était fou et fiable. Ouais. On a pas eu de soucis, pas de casse. Ouais. On est allé, on est rentré avec en roulant. Enfin, Guillaume l'a fait, on a roulé toute la journée. 150 kilos aujourd'hui, j'ai regardé sur le compteur et aucun souci à déplorer. Bon, c'est en tout cas, c'était grave de la bombe. On a rencontré plein de monde, on a vu des abonnés, on a bien discuté avec tous les gars aussi. Présent bah, sur place.
Et c'était cool. Donc ouais, la prochaine fois, on amène ma voiture. Mais putain, c'était un truc de fou. On va vous refaire un retour aussi sur les Calpe au lac. Je sais pas s'il y a des réglages encore à faire ou quoi, mais... Bah déjà, donnez-nous votre avis sur les vidéos. Oui, enfin, voilà, on va les voir. Nous, t'as pris la GoPro. Ouais, j'ai pris la GoPro. Tu vois, ouais, mais vidéo, c'est sûr qu'il y a une progression. Bon, et ben voilà. Donc à bientôt. À bientôt. Et merci. Si on vous laisse quand même sur une petite image sympathique. Ouais, grave.